là dans le moment installation. France LB comme nouveau directeur général AIPNH là. France LB qui les mêmes sur les jeunes collaborations. Tout le monde de façon pour être capable de croire phénomène insécurité. En côté on bout non intervention. A de graves problèmes d'insécurité. Les cas d'enlèvement s'intensifient à travers toute la zone métropolitaine. La libre circulation des personnes n'est pas garantie. Dans certains quartiers, les gens, les gangs, dans certains quartiers, des gangs font la loi. La situation sécuritaire est accablante, à un tel point que la population est à la rue. Cette situation de sécurité affecte toutes les composantes du pouvoir de l'État. Au niveau politique, elle a engendré une baisse de gouvernance. L'affaiblissement de l'État. L'insécurité a provoqué une baisse de la production nationale dans le domaine économique. Le manque d'investissement étranger, l'augmentation du taux de chômage, le ralentissement du tourisme, la dépréciation de la monnaie nationale par rapport aux devises étrangères. La situation sociale est aussi affectée. La baisse des recettes fiscales empêche aux autorités étatiques de répondre aisément aux besoins de la population. Mesdames, Messieurs, le tableau que je viens de vous peindre est sombre, accablant. Face à cette situation, il incombe à tout un chacun d'apporter leur contribution au rétablissement de la sécurité du pays. L'élaboration et l'application des politiques publiques de sécurité avec des objectifs politiques, avec des stratégies et des actions bien définies s'avère indispensable. Au niveau de la police nationale d'Haïti, le haut commandement uni, avec l'appui gouvernemental, va prendre des mesures afin de sensibiliser, motiver les policiers et le personnel administratif sur l'accomplissement de leur tâche en ce carrefour historique de la nation haïtienne. Nous allons renforcer les dispositifs de sécurité à travers tout le pays, spécialement dans la zone métropolitaine, en vue de prévenir les cas de kidnapping, empêcher les malfrats de commettre leur forfait, permettre à la population de vaquer paisiblement avec toute quiétude à leur occupation. Combattre le banditisme, le démantèlement des gangs, le trafic illicite d'armes en feu seront nos principales priorités. C'est un gros combat. Combat, ça a besoin d'appui tout le monde dans la population. Quel que soit Totoï, quel que soit le secteur, quel que soit le groupe, là, le moment, il y a besoin de tout petit prix pour que nous redressions la situation que nous venons aujourd'hui. Frem action, policier. On est que nous avons confronté un pile problème. Et que des fois, nous sentons
ministre. Nous avons même dépassé de nous-mêmes, sans perdre du contrôle, tellement frustration en grève. Il y a des fois nous sentir nous délaissés. Il y a des fois nous avons le courage pour nous prendre la rue. Certains de nous. Et nous le courage tout 21 garçons avec femmes. Malgré toutes difficultés qui gagnent, malgré tous les problèmes qui gagnent, qui toujours prennent la rue pour répondre à la responsabilité. Nous promettons. Que le commandement avec autorité politique, main en main, parce que nous prenons des mesures, pas à pas, pour que nous améliorions les conditions de travail policier. Population réellement comptée sur nous. Le moment difficile, ça. Moment demandé en pile sacrifice, lui demandé en pile engagement. Parce que moment n'est pas un moment de jouissance de privilège. Donc c'est un moment de sacrifice, un sacrifice pour le pays, un sacrifice pour la population. Général Franz LB qui prend tête police nationale là dans un moment critique dans la vie institution ça même Jean avec pays qui trouvait à bout en bas phénomène insécurité à question qui chance qui gagne pour Franz LB réussi côté Léon Charles lui-même échoué mais contrairement guerrier à Jean ça habitué fait tout au moins image que nous gagnions nous pas ouais, Léon Charles prend la parole. Hein. Ça, contrairement à l'agence habituée fait dans une cérémonie côté, et un nouveau responsable qui a venu et ancien, il parlait pour le dire qui sentiment l'a quitté posta et s'il le faut, font bilan. Voilà. Oui, mais il était présent. Oui, il était présent, il était en costume. Ouais, il n'a pas de gagné ou bien uniforme, la police. Sur lui, mais selon l'information que nous gagnons de source diplomatique, Léon Charles Tadoué est retourné dans le service côté l'ITE, dans Washington, dans OEA. Oui, c'est ça, information au fait quoi. Donc, la retourner côté l'ITE avant. Mais Fondi tout guerrier démission, ça arrivé dans moins 48 heures de temps après secteur démocratique et populaire, SDP, t'es menacé, Ariel Henry était même promettre pour retourner sous béton si pas gagné changement qui fait dans cette police là. Est-ce que changement ça, révocation ça, qui pourrait à menace qui était faite là? Donc, ça t'a capable compter comme mon deuxième, c'est-à-dire évocation, troisième SDP, il veut provoquer. Justice là. Commissaire gouvernement et nouveau directeur général de la police. Mais, on a dit que ce n'est pas seul SDP qui t'a demandé révocation, Léon Charles. D'ailleurs, il y a un syndicat, SPNH, qui t'a déjà fait recommandation ça. Donc, il y a l'autre entité qui était estimé que Léon Charles li failli à mission, donc c'est un échec pendant temps li passé comme directeur général à la police nationale, donc li pas arrivé croiper phénomène insécurité qui vient augmenter. Et d'ailleurs dernier ça qui arrivait 17 octobre là, encore prouver que la police là les faiblit. Donc côté c'est PM n'a pas été capable à le déposer Jeff Fleur là, malgré selon information nous gagnons et dit que le directeur général n'a dit PM n'a pas allé en bas. Bon, est-ce que capable limiter le déplacement autorité ou ça a été habitué fait sous président Jovenel Moïse, dit qu'on paquet de côté il n'est pas capable d'aller, hein, il n'est pas capable aller vertière, ça c'était mouvement politique yo, même dans zone Pont Rouge encore, c'est en bas gros difficulté, président, qu'on arrivait à aller. Donc, ça qui a persisté côté autorité, au gagné limite yo sur territoire. Même genre, gagné yo, pas quatre côtés contrôlé. Donc, autorité, yo, pas quatre côtés, yo même, yo pas capable d'aller. Qui est Franz LBY? Nous te connaissons comme commissaire qui était Jérémy et qui était Jacques Mel. Il était Carrefour. Mais dernier poste.
il est occupé à la même avant générale, là, c'est l'inspection générale de la police. Là. Dans la nouvelle fonction, ça, nouveau commandant en chef PNH, là, il était commandé plusieurs postes de police. Côté, il était fait montrer leadership. Li, en 2017, il était membre du cabinet directeur général. Là. En 2016, il était responsable unité sécurité générale par le national USGPN. En 2015, directeur départemental des NIP. En 2012, il était directeur départemental sud-est. France LB occupé fonction coordonnateur général unité qui est affectée dans le palais national. Donc, fonction qu'elle était occupée. Les nouveaux commandants chefs là promettent, j'en ai dit dans le discours là, pour les combattre le banditisme pendant la renforcer dispositif de sécurité, yo, démanteler gang armé, yo, etc. Directeur général là qui promettent pour Chita Palé dialoguer avec autorité politique en façon pour porter cette amélioration dans condition la vie policière et les solliciter support partenaires internationaux pour une police nationale haïtienne plus efficace et plus professionnelle. Donc voilà, en gros, ça nous capable dit de nouveau responsable la police nationale d'Haïti, France LB, qui a remplacé Léon Charles qui retournait dans le poste l'été avant à titre d'ambassadeur, c'est dans OEA. OEA, organisation État américain, dans Washington. Dans Washington, voilà. Donc, pour ça, le capable dit concernant changement ça qui fait dans tête la police, là, mais il y a des réactions également, Pierre Renel. Oui, deux réactions. D'abord, première réaction, il y a souti, bon côté, organisation Droit Mounio, RNDDH, Réseau National Cap Défendre Droit Mounio, Pierre Espérance, déclaré si pas gain aucune disposition qui prend en bas côté autorité politique pour protéger police là, n'a quitté le fait travail comme sa droite d'émission. Léon Charles n'a pas porté aucune solution à problème institution. La police là a fait face à ça qui la cause phénomène de sécurité exact kidnapping yo, capable de continuer à valer terrain dans le pays. Dirigeant organisation Droit Moun mandé pour suspendre persécuter policiers yo dans cas travail yo et pour permettre la police à venir plus performant plus loin. Défenseur Droit Moun mandé autorité yo suspendre c'est l'argent d'un trésor public poté by bandit alors que pas même gain moyen pour institution fait travailler en côté et en bout dans déclaration Pierre Espérance directeur exécutif RNDDH là quelques minutes après démission Léon Charles et installation yon nouveau directeur général dans tête police là Pierre Espérance Tenamico Ganito François. Il est clair que la police nationale a bien essayé problèmes. Problèmes et leadership, la façon que gagne des répressions systématiques sous SPNH là, alors que les gens ont visé SPNH, policiers, alors bandits qui ont terrorisé, qui ont massacré, qui ont tué la population. Pas visé comme ça. Problème leadership, ça a été créé, c'est un gros problème dans l'institution qui permet que l'institution ne pas fonctionner. Cependant, ça nous reconnaît, je dis, et la police nationale, là, pour être capable de faire travail, il faut que l'autorité politique campe avec l'institution. Ça veut dire, pour protéger et la police contre tous les banditis, ça veut dire, les policiers, a fait travail, a coupé bandit, a mené enquête, laisse ça pour pas gagner des autorités politiques ni dans la police à tout, qui a persécuté policiers. Par exemple, nous connaissons des policiers dans DCPJ qui ont enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Eh bien, yo, depuis 3 semaines, actuel inspecteur général en chef de la police là, et la police a convoqué pour persécuter parce que les policiers ont gagné trop d'informations. Donc, là, par exemple, on a intimidé les policiers dans le cadre de travail, ils n'ont pas fait le travail. Yo. Donc, pour la police là, capable de faire le travail qui protéger et servir, il faut que l'autorité politique protéger la police. Il faut que l'autorité politique n'ait pas de connivence avec les bandits. Il faut que l'autorité dans l'État pas débloquer fonds dans le trésor public là pour y bail et bandits pour bandits continuer à théoriser et population. Nous espérons que y a mette des monde qui est intègre, qui connaît et institution qui prend le travail dans l'intérêt de la police. Mais nous avons dit, quel que soit moun nous mettez là, si autorité politique, moun qui gagne administration publique là dans main,
yo pas changé comportement non renforcer la police là pas capable bay résultat faut que moi d'autour politique qui t'a mené dans la police a fait policier décourager en pile il y a trop policiers qui mangent prison arbitrairement illégalement côté que sans pas rien en rapport enquête inspection générale de la police, nous mettez policiers ça en prison. Alors que rôle inspection générale de la police ça, c'est pour protéger policiers et contre abus pour pas faire une institution, pour protéger et tout population contre tout abus que policiers sont capables de faire ou bien contre toute dérive policière. Donc, il est clair que la police a son institution apolitique, il a pour protéger avec ses vies, mais je dis à la police à les politiser net et par rapport avec les gens, autorité tactique, dans alliance avec gang, après renforcer gang, et bien ça vient faire que les policiers sont découragés et eux-mêmes tout. Les combattre gang, il a démantelé les gangs, il a mené enquête, et bien il a persécuté autour, il a jeté en prison, il a mis en prison parce qu'il a regroupé un syndicat, il a traité de terroristes, alors que les bandits ont même terrorisé la population. Donc, l'autorité a connivence avec eux. Espérance, ancien directeur général à la police nationale, la Léon Charles, t'es doué remettre démission, l'avant même situation t'es arrivé dans l'état lié, journée jeudi, à côté la police n'a t'es même paraître incapable pour te sécuriser la vie, ancien président Jovenel Moïse, et puis garantie droit citoyen au gain pour circuler. Libé, nous t'as cité collectif défenseur plus par rapport à la décision, ancien chef police là, Antoine Mortimer toutefois pas espéré pour aller gagner amélioration dans bataille contre insécurité kidnapping dans le pays, bataille contre circulation d'armes sous territoire national là, contre corruption dans niveau police nationale là. Si pas gagner un plan qui établit dans pire au niveau l'état dans sens ça, selon Antonal Mortimer, co-directeur organisation Cap Défendre Droit Monde défenseur plus qui était dans micro Réginal Rémy. Bon, au niveau Défenseur Plus, comme organisation Défense Droit Monde, nous prenons acte de démission du directeur général de la police, là, M. Léon Charles, qui lui-même est en bas des gros critiques depuis le fait compter. Et dans le dernier jour, ça y est, critique qui a été venue plus. Plus et parce que conditions sécurité paysan dégradées et même intolérables et inacceptables. D'ailleurs, nous pensons disposition ça, directeur général, là, peut-être qu'il doit prendre déjà, depuis avant même, situation a dégénéré comme ça, depuis là, la police, là, te paraît incapable pour sécuriser la vie président, pour garantit le droit à la libre circulation, le droit à la protection des citoyens et des citoyennes dans tout pays en général, mais particulièrement dans la zone sud capitale, dans la zone quoi des bouquets. Côté gang, yo a bay défi. Yo a bay défi, yo pas pe personne monde, yo fait ça yo vle. Donc, te montrer vraiment un problème de gouvernance dans la police, là, un problème de leadership. Même genre de problème de leadership dans le gouvernement et dans diverses autres institutions de l'État. Bon, maintenant, nous, même au niveau Défenseur Plus, nous pas attendre avec démission Léon Charles dans le jour où Calvin, tout le bagage va bien passer. Ouais, la police va l'enfoncer, il va combattre le kidnapping, il va combattre l'insécurité, il va combattre la corruption dans la police, il va combattre le vol, violence policière et yo pral contrôler zam a fait cap sikile. Nous pas gagné ça comme attente si tout